Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everyone. Afin de comprendre comment j'ai été touchée par le Seigneur, in order for you to understand how I was touched by the Lord, il m'a semblé important de revenir à mon enfance. It seemed important to me to come back to my childhood. D'avance, je m'excuse si mon témoignage va vous sembler peut-être long. I'm sorry if my testimony might seem a bit long. Et je vous remercie pour votre patience. And I thank you for your patience. Je suis fille unique. I'm a only daughter. J'ai été élevée avec un père qui était très exigeant au niveau des résultats scolaires. I was raised with a father that was very demanding regarding scholarship results. Pour lui, la réussite scolaire était synonyme d'intelligence et de réussite professionnelle. For him, doing well at school meant to be doing well in life. Au niveau familial, j'ai vécu dans un contexte avec beaucoup de violence verbale et conjugale. In my family, there was a lot of violence, verbally and also amongst my parents. Qui a abouti par un divorce de mes parents. Which ended up by a divorce. C'est au moment de la séparation de mes parents que j'ai découvert le monde spirituel. It's when my parents went apart that I discovered the spiritual world. Ma maman, à la recherche d'une solution pour sa vie affective. My mom was in search of a solution for relationship, for affective relationship. A côtoyé des guérisseurs magnétiseurs, des voyants, des astrologues. She went to see all kinds of people involved in witchcrafts, in cards, in tarot. Finalement, elle devient catholique pratiquante, mais n'est pas née de nouveau. Finally, she becomes a Catholic, but she's not born again. J'étais à cette époque très proche de ma maman. I was those days very close to my mom. Et souvent, je l'accompagnais et j'écoutais ce que se disait au cours de ses consultations spirituelles. Often, I would go with her and was listening in on all what was said in these spiritual meetings. Cela me semblait normal car j'ai toujours eu la conviction que quelque chose existait dans l'univers. All this seemed quite normal to me as I was convinced that there was something bigger than us in this universe. J'avais la conviction qu'il y avait un sens à la vie sur cette terre. I was convinced that there was a sense to life on this earth. Mais je ne pensais pas à Dieu, même si je suis née dans une famille de tradition catholique. But I didn't think about God, even if I was born in a Catholic family. C'est à ce moment-là également que le chemin de vie de mon père et le mien se sont séparés. It's also at that time that the life of my father and my own got separated. Et ceci pendant 32 ans, jusqu'au mois de novembre 2019. For 32 years, till November 2019. Où le Seigneur est intervenu miraculeusement. Where God intervened miraculously. Après mes études supérieures, j'ai rapidement travaillé. After my studies, I quickly went to work. Mais je n'étais pas satisfaite. But I was not happy. Me sentant en concurrence avec mes collègues et à la recherche de reconnaissance professionnelle. Feeling in competition with my colleagues and seeking also recognition. J'ai toujours trouvé que le plus difficile était de gérer les relations humaines au sein d'un travail. I always found it very difficult to manage relationships in the midst of work. Mon parcours professionnel a été suspendu par de longues périodes de non-activité. My professional career was often interrupted by long periods of inactivity. Et je me posais beaucoup de questions sur le choix de mon métier et sur le fait de pouvoir être un jour épanouie professionnellement. And I was asking myself a lot of questions about the choice of my career and how to feel happy about it. Après une réorientation professionnelle, je suis enfin engagée comme cadre administrative. Finally, after a professional reorganization, I'm engaged as an administrative manager. Très rapidement, un poste de secrétaire de direction m'est proposé. A post of secretary of direction is proposed to me.
Je suis très flattée par cette proposition. And I'm very happy about it. Car quelqu'un reconnaît enfin mes capacités professionnelles et mes qualités humaines. Someone finally recognizes my professional capacity and my human capacities also. Cependant, certaines de mes collaboratrices me préviennent que la personne qui m'engage est manipulateur. Some of my colleagues warn me that the person I'm about to work with is quite a manipulator. Et en effet, certaines plaintes de harcèlement moral sont déposées. And indeed, some complaints of moral harassment have been dropped. Mon directeur est très exigeant sur la qualité du travail. My director is very demanding regarding the quality of work. Et tendre vers l'excellence est son objectif quotidien. And working in excellence is his daily objective. Je suis très fière d'occuper cette fonction importante. I'm very happy to occupy this very important job. Je m'investis à fond et je cherche également l'excellence, comme à l'époque de mes études. I give the best of myself and also look for excellency, like when I was studying. Je travaille les soirées, les week-ends. I work evenings and even weekends. Je parle de mon travail tout le temps à la maison. I can't stop talking about my work at home. Et cela prend de plus en plus de place dans la vie de famille. And it takes more and more space in family life. À l'époque, il me faut au minimum 3 semaines de vacances pour décrocher. Those days, it took me at least 3 weeks of holidays to be able to take off. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné un mari si patient et compréhensif et toujours à l'écoute de mes problèmes. I thank God for giving me such a patient husband, always listening to my issues. La relation professionnelle se passe bien pendant plus ou moins 4 ans. The professional relationship is doing well for about 4 years. Mais je constate de plus en plus une communication ambivalente. But more and more, I notice quite some ambivalence in the conversations. Des contradictions dans l'attitude de mon employeur. Contradictions in his attitudes. Ce qui me déstabilise émotionnellement. Which destabilizes me emotionally. C'est à ce moment-là que ma santé morale et mentale se dégrade. That's when my physical and mental health goes down. Je continue à aller travailler. I continue to go to work. Mais avec beaucoup de lourdeur et un cœur profondément triste. But with a lot of heaviness and with a heart deeply sad. Je n'avais jamais ressenti une telle tristesse. I never felt such a sadness before. Un vide profond. A profound emptiness. Un mal à l'âme. A pain in the soul. Je suis obligée d'être aidée par une psychologue. I need help from a psychologist. Et je me souviens avoir dit à la thérapeute, mon cœur saigne, mon cœur pleure. And I remember saying to the therapist, my heart is bleeding, my heart is crying. Et c'était très très dur. It was very hard. Bien évidemment, j'ai appliqué le même schéma que ma mère avait fait lorsqu'elle n'était pas bien. Of course, I entered into the same scheme that my mother did when she was not well. Je cherche des solutions dans les médecines alternatives. I look for solutions in alternative medicines. Dans la méditation de pleine conscience. In meditation. Dans toutes les méthodes de développement personnel. In all kinds of personal development methods. Auprès des voyants. With spirit, yes. J'achète des pierres pour rééquilibrer les énergies. I buy stones also for finding some balance in the energies. Et je dépense beaucoup d'argent dans cette thérapie. And I spend a lot of money in those therapies. Je pense à l'époque que cela peut me faire du bien. I thought then that it could help me. Et je ne sais pas que j'ouvre des portes au monde spirituel. And I was not aware that I was opening doors to a spiritual world. Et qui est l'occultisme. Which is occultism. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me chercher. That's when the Lord came to pick me up. Et je dis chercher car c'est vraiment Dieu qui vient à votre rencontre. I say he came to me because it's really God who comes to us. À un certain moment, une nouvelle collègue vient s'installer dans mon bureau. À
At a point, a new colleague comes to sit in my office. Elle s'appelle Ruti. She is called Ruti. C'était une jeune femme de 30 ans, très joyeuse, très positive. A young woman, 30 years old, very joyful and always positive. Et très vite, nous sympathisons et elle comprend mon désarroi. Very quickly, we became friends and she understood my feeling lost. Au bout d'un certain temps, elle m'annonce qu'elle est chrétienne. After a while, she tells me that she's a Christian. Qu'elle va à l'église et qu'elle a une relation profonde avec le Seigneur. That she's going to church and that she has a deep relationship with God. Et je me souviens très bien que ma première réaction a été de lui dire. I remember very well my first reaction was to tell her. Alors écoute, la religion, Dieu, tout ça ne me parle pas du tout. See, me, God, religion, all those things, it doesn't talk to me at all. Je déteste la religion. I hate religion. Et je n'ai jamais vu de changement radical auprès de ma maman. And I never saw any difference in my mom's life. Et je pense que la force est dans l'esprit, dans son propre esprit. I believe the strength is in our own spirit. Je pense qu'il y a un sens psychologique à chaque maladie. I think there is a psychological reason to every disease. Elle n'insiste pas. She doesn't go further about it. Mais par après, j'ai appris qu'elle et son époux intercédaient pour moi. But later, I came to know that she and her husband were praying for me. Ma santé mentale et physique ne vont toujours pas mieux. My mental and physical health are not better. Je continue à décliner jusqu'au burn-out. And I continue to go down until I reach burn-out. Et je suis en arrêt de travail pour au minimum un an. And I stopped working for more than 1 year. Pendant ce temps, Ruti, qui est devenue mon amie, me rend visite, m'écoute et me soutient. During that time, Ruti, who became my friend, came to visit me and support me. J'ai des pensées très négatives. I have very negative thoughts. Et je commence sérieusement à me dire que si c'est cela la vie, ce n'est franchement pas très épanouissant. And I really start thinking that if this is life, it's not really what I'm looking for. Je trouve que les relations humaines sont toujours décevantes. I thought that human relationships were always disappointing. Et des pensées de quitter ce monde cheminent tout doucement, mais sûrement. And thoughts of leaving this world came to my mind slowly but surely. Et je n'en parle à personne. But I didn't talk about it to no one. S'installe en moi une dépression. I became depressive. Mais le 17 octobre 2012, on 17 October 2012, mon ami m'invite à un séminaire chrétien. My friend invites me to a Christian seminary. C'est une soirée où il y a un enseignement et de la musique, me dit-elle. She tells me it's an evening where there is a teaching and music. Elle n'apporte pas beaucoup de précisions, mais je me sens attirée à m'y rendre. She doesn't give me many details, but I feel compelled to go. Et ceci au grand étonnement de mon mari. My husband was very surprised. Mais il m'accompagne. But he still came with me. J'arrive dans ce lieu où j'entends des chants de louanges. I come in this place where I hear worship. Je suis agréablement surprise et très étonnée. I'm quite surprised, but in a good way. Car ce n'est pas du tout les chants religieux auxquels j'étais habituée au cours des messes catholiques. Because it had nothing to do with the kind of songs I heard in Catholic masses. J'apprécie la prédication et cela résonne dans mon cœur. I really appreciated the predication and it touched my heart. Et jamais je n'avais entendu parler de la Bible comme cela. Never I heard speaking about the Bible in this way. À la fin de la prédication, le pasteur invite ceux qui veulent recevoir la prière. At the end of the predication, the pastor invites those who want to receive prayer. Et je décide de m'avancer. And I decide to go forward. Le pasteur, avec une onction prophétique, commence à prier pour moi. This pastor who had a prophetic anointing started praying for me. Et j'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées. And I have that feeling that he's reading my mind. Il reçoit des paroles de connaissance. He receives some words of knowledge. Il chasse un esprit de mort et de dépression. He casts away a spirit of death and depression.
Il me dit que je ne suis pas venue ce soir-là par hasard. He tells me that I didn't come that evening by mistake. Que j'étais attendue par le Seigneur. But I was expected by the Lord. Et que le Seigneur savait que je détestais la religion. And that the Lord knew that I hated religion. Mais que j'étais en recherche de quelque chose. But I was looking for something. C'est à ce moment-là, at that point, qu'il y a eu pour moi une certitude que Dieu me parlait. I became certain that God was talking to me. Je me souviens avoir été heureuse de constater que enfin quelqu'un me comprenait. I was so happy to finally understand that somebody finally understood me. Quelqu'un me connaissait parfaitement. Somebody really knew me. Tout de suite, une connexion s'est établie entre le Seigneur et moi. Straight away, a connection started between God and myself. Enfin, je quitte la soirée. I left the evening avec une joie dans mon cœur à la place de la tristesse. With joy in my heart instead of sadness. Je me souviens, c'était une joie que je ne connaissais pas. I remember I never knew this kind of joy. Et sur le chemin de retour, je me surprends à dire à mon mari. And on the way back, I tell my husband que tout compte fait, on ne connaît pas Jésus. Finally, we don't even know Jesus. À part ce que l'on a appris à l'école, au cours de religion. If not for what we heard at school. Dès les jours suivants, j'ai une profonde envie et soif de connaître Jésus. In the days that followed, I have a deep hunger and thirst to know Jesus. Et je me rends dans une librairie et j'achète la Bible pour les nuls. And I go to a library and buy the Bible for ignorance. À partir de ce moment-là, mon amie Ruthie et son mari viennent régulièrement à la maison. From there, my friend Ruthie and her husband come regularly at home. Elle me donne ma première Bible. She gives me my first Bible. Me parle des cultes de son église. Tells me about the cults in her church. Et je commence à fréquenter cette église. And I start going there. J'ai connu des moments des cultes avec des moments de louange et d'onction prophétique. I've seen cults with prophetic moments and worship moments. Et j'ai découvert la liberté du Saint-Esprit. And I discovered the freedom in the Holy Spirit. J'ai connu le feu de Dieu. I knew the fire of God. Et je ne peux que vous encourager à vouloir découvrir ces temps où vous pouvez sentir véritablement la présence de Dieu. And I really want to encourage you those places where you can really feel the presence of God. Et au cours de cette même période, j'effectue également toutes les démarches administratives pour changer de travail. During that same period, I did all the administrative endeavors to change job. Et je me suis appuyée sur le verset d'Ésaïe 43, verset 2. And I stood on Isaiah 43:2. Si tu traverses les eaux, if you cross the waters, je serai avec toi. I will be with you. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. And the floods will not overwhelm you. Si tu marches dans le feu, if you walk in the fire, tu ne te brûleras pas, you will not be burned, et la flamme ne t'embrasera pas. And the fire will not put you on fire, burn you. C'est à ce moment-là que le Seigneur étend sa main de grâce. That's when the Lord stretched forward his hand of grace. Et j'ai la possibilité d'avoir une autre fonction. And I have the possibility to have another job. Et dès lors, je n'ai plus de contact avec mon ancien directeur et je suis libérée de toute oppression. And from there, I don't have any contact with my former director and I'm free of all oppressions. J'ai été baptisée le 14 avril 2013. I was baptized on 14th of April 2013. Et le Seigneur m'a fait grâce d'ouvrir mes yeux spirituels. And the Lord gave me the grace of opening my spiritual eyes. Et de me montrer tous les systèmes mensongers dans lesquels j'ai été élevée. And to show me all the lies in which I was raised. Mais encore maintenant, je déteste tout système religieux. And still now, I hate all these religious systems. Et tout programme religieux qui vous empêche de vivre la liberté du Saint-Esprit. And all these who do not allow you to know the Holy Spirit. Je peux dire que les relations professionnelles ne sont toujours pas faciles.
I can say that professional relationships are still not easy. Mais le Seigneur me montre que c'est l'occasion pour moi de grandir. But the Lord shows me it's a way for me to grow up. De prier et de bénir mes collègues. To pray and to bless my colleagues. Il me permet de détecter la présence de l'ennemi. He enables me to see the presence of the enemy. Et je sais qu'il opère en moi une véritable transformation de cœur pour mes collègues. And I know he's working on my heart to transform me for my colleagues. Il m'apprend à gérer les situations que je ne savais pas gérer avant. He teaches me to handle situations that I was not able to handle before. Et j'ai compris très rapidement mon identité en Christ et l'autorité que j'avais. And I understood very quickly my authority in Christ and the identity I had. Le Seigneur a touché notre foyer. The Lord touched my family. Ma fille a été baptisée. My daughter was baptized. Et après 5 ans d'intercession, and after 5 years of intercession, j'ai eu la grande joie de voir la conversion de mon mari. I was so happy to see the conversion of my husband. Récemment, la relation avec mon père a été restaurée. Recently, the relationship with my father was restored. Il vient au culte. He's coming to church. Et j'ai la conviction profonde que Dieu est occupé à restaurer tout ce qui a été détruit. And I'm deeply convinced that God is restoring everything that has been spoiled before. Chaque jour, je rends grâce à Dieu. Every day, I thank God. Je le remercie. I thank God. Et je désire de tout cœur faire ce qu'il veut que je fasse. And I really want to do anything he wants me to do from the bottom of my heart. Finalement, de la méditation de pleine conscience du moment présent. Finally, from those meditations of full consciousness of present time. Je suis passée à un remerciement quotidien. I pass to a daily gratefulness. Pour la création de Dieu. For the creation of God. Et pour la vie qu'il m'a donnée. And for the life he gave me. Merci Seigneur. Thank you, Lord. À toi soit toute la gloire. To you be all the glory. Amen. Amen.